Ça qui fait beaucoup de risques, mais vous cassez bien. C'est le turbo qui fait. Ouais. Bah merci d'être venu et aux réalisateurs et puis au film, puisque les stars du festival c'est le film. Donc bien vu au festival Paul Simon, c'est lui le président de l'asso, je sais pas s'il va dire quelque chose, il est timide. Ouais, je sais pas. Il fait souvent timide. Donc vive le court-métrage et puis vive la compétition, hein. Et puis Inch'Allah comme on dit, à la vôtre. C'est du breton ça. Et vive le nouveau président du jury, Philippe Jeanneran, les membres du jury, Jean-François, Damien, Michel Brousse, Max Morel, et puis l'invité d'honneur, Monsieur Rémi Julien, à la vôtre. Et Michel Brousse, et ma petite Michel, à la vôtre. Merci. Merci. Pour le lancement donc, de ce festival, le Festival International Paul Simon, qui a lieu pour, non pas pour la première année, mais pour la première saison à Saint-Clé-Portrieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Sivaler, je suis le maire de Saint-Clé-Portrieux. Alors, ce soir, c'est la concrétisation, c'est le terme d'une rencontre l'année dernière à Binic, puisque j'avais rencontré l'équipe de bénévoles et surtout le président extrêmement dynamique de cette association, Laurent. C'est lui le secrétaire, mais bon, a priori, il s'est trompé de rôle parce que je pense qu'il a pris le rôle du président. Donc le président Nicolas Breton, c'est ça. Et puis Laurent, alors Baucher, mais Borigny pour ceux qui le connaissent quand ils pensent à la télé. Donc Laurent, Nicolas, merci pour votre engagement. Je pense que maintenant, on va vous passer la parole. Et bienvenue à Saint-Clé-Portrieux pour ces 48 heures de cinéma, festival du court-métrage. Et je l'avais promis, vous avez le temps adapté pour pouvoir découvrir notre très belle commune. Merci. Nous sommes ravis de venir à Saint-Clé. Monsieur le maire est un homme de culture, donc on y connaît bien aussi le cinéma, donc voilà, c'est une belle rencontre. Sans partenaire, il n'y a pas de festival, ça c'est... Voilà, la ville est un premier partenaire. Il y a des partenaires financiers, techniques et de communication. Sans les films, il n'y a pas de festival non plus. Sans jury professionnel, il n'y a pas de festival. Donc cette année, pour la quatrième, mais une première ici à Saint-Clé,
On a encore un jury haut en couleur qui a fait l'honneur de se déplacer encore. Pour monsieur Rémi Julien, s'il vous plaît. Innovation, s'il vous plaît, merci. Et donc je suis très heureux d'être là et aussi fier d'être aux côtés de Monsieur Julien que tout le monde connaît et admire. Voilà. Alors donc bonne soirée à tous, bon festival. Bonjour. C'est toujours très compliqué de faire ça. Je suis très content, vraiment très très content d'être ici. J'espère qu'on va avoir des très jolis projets. Et c'est tout pour moi, parce que je ne suis pas très à l'aise de ce genre d'exercice. Merci, moi j'ai la chance de revenir ici pour la deuxième fois. Dans ce cadre, cette fois-ci, absolument somptueux. Et donc moi je suis ravie, parce qu'on va encore une fois... approcher la jeune garde du cinéma français, les jeunes acteurs, les nouveaux réalisateurs. Donc ça, c'est excitant. Et puis, comme c'est la deuxième fois que je reviens, jamais 203. J'espère. Alors, qu'est-ce que je peux dire maintenant ? Tout à l'heure, j'ai un peu surpris Monsieur le maire, parce que je lui ai dit que j'étais heureux de rencontrer ce village formidable, joli, formidable, et je lui ai dit, c'est dommage, ça manque un peu de béton. Alors j'ai vu qu'il a marqué un petit embarras, hein, et heureusement qu'il sait que je suis un déconneur pas censé, il faut dire le mot. Et puis ce cinéma est quand même quelque chose de fabuleux, quand on a la chance comme moi d'avoir pu parcourir le monde entier pour faire du cinéma. Alors c'est quelque chose de formidable qui fait que, on ne s'arrête pas, on continue. Et puis, il paraît que je suis programmé pour encore une cinquantaine d'années. Mais ceci dit, je ralentirai. Hein. Je suis aussi médecin. Oui, tout va bien avoir. Monsieur le maire, donc, peut être prêt à pré-intervenir, parce que c'est quand même, je sors de trois infarctus et deux cancers, mais je fais du vélo tous les jours et ça ne m'empêche pas de tomber par terre et puis de venir. C'est pour ça que j'ai failli ne pas arriver, étant donné que j'étais un petit peu à bout de souffle là. Mais maintenant ça va. Donc je vais ralentir un peu et je travaillerai à mi-temps. 2 heures par jour me suffiront largement. Il y avait le kangourou, le castor bleu, un truc comme ça. La marmotte. Comment ? La marmotte. Quoi, marmotte ? La marmotte, c'est comme c'est un castor, c'est pareil, non ? Il est plaisant. Oui. On n'est pas des professionnels de la profession, mais on est des passionnés. On est des passionnés. Pas quoi, c'est oui, mais ça c'est une chose. Ah non, mais là c'est pas du morse officiel. Ah bah oui, non, mais si c'est un morse privé, là c'est... Non, c'est le morse des taulards, il le sait. Ça. Tu me reconnais. Vous avez des nouvelles d'un Jean Laurent?
Non, je ne suis pas au musée. Michel, ça te fait plaisir d'avoir pas dit. Oui, mais je veux dire. Non. C'est un acteur ? Un technicien ? Oui. Une minute, pas plus, pour présenter Buffalo Rising, donc a eu le prix de la meilleure musique chez nous l'année dernière. Je vais être super court. Buffalo Rising, c'est un western tourné qu'avec une équipe française, qu'avec des Français, tourné en anglais, qui a fait une très belle carrière aux États-Unis, ce qui était quand même une gageure, parce que le français qui s'aventurait sur les terres des États-Unis avec en plus le western, c'était difficile. Ça a été tourné dans le bas des Cévennes, sur le plateau du Cosnoir, bas du Larzac. Et voilà, on l'a tourné en 3 jours et demi. Bonne projection. C'est un commerce qui vient de s'ouvrir, donc à Saké, donc on lui a demandé de lui offrir cette bouteille. Donc bon anniversaire et bienvenue à la compétition. Donc voilà, je vous souhaite une bonne projection et puis à tout à l'heure. Voilà, je pense que vous pouvez vous lever, monsieur Julien Valessandre. Je pense que vous faire l'honneur de venir ici à saint étienne. Merci, je ne savais pas quoi dire, je suis vraiment ému, inventé, et alors mon angoisse c'est de me dire, mais quand je n'aurai plus rien inventé, qu'est-ce que je vais devenir? C'était au début, mais quand j'avais 25 ans, je croyais que j'étais vieux. Les anecdotes, dans les gendarmes par exemple, je doublais de bonne sœur, alors c'était pas triste non plus, hein. Et puis, on venait de terminer une prise, c'était dans la région de Saint-Tropez. Alors, ils rouvrent la circulation pendant qu'on remonte tout doucement sur le côté pour rejoindre le départ du tournage. Et puis, une petite envie me prend. L'envie de pipi me reprend. Il y avait un arbre à 10 mètres dans le champ. Je fonce, je soulève mes robes, et puis stop, en action. Et j'entends un coup de frein monumental, là. Et je me retourne, et le chauffeur du camion, qui n'avait jamais vu une bonne sœur dans cette position-là, évidemment, et il était dans son camion, en train de regarder par la fenêtre, et le camion faisait des 8 comme ça, parce qu'il ne voulait pas en perdre une bouchée. Je vais essayer d'être très court. Je vous remercie beaucoup d'avoir été choisi par... je voulais remercier le président de m'avoir fait l'honneur de m'accueillir parmi vous. Je suis très, très émotif et je vous remercie beaucoup. Je vais parler à ma place. Vous avez pu remarquer hier, je suis très éloquent. Non, bah merci d'être là. J'espère qu'on va se marrer parce que sinon ça risque d'être un peu chiant. Hein. Sinon, bon, bah voilà, hein, on mange bien. Pas trop moche. C'est tout pour moi. Festival.
Ouais, merci. Merci. Bon ben voilà, moi je suis arrivée hier, alors hier il y avait déjà beaucoup de bonnes bouilles ici, et puis aujourd'hui il y a encore de nouveaux copains qui sont arrivés, donc moi je suis très contente en lisant le pitch des films qu'on va regarder aujourd'hui, ben, ça donne envie, donc voilà, youpi. Allez monsieur le Président. Je me présente, je suis Max Morel. Je suis dans la salle qui a absolument voulu voir pour la deuxième fois le festival. Troisième fois. J'oublie le temps passé. Quel âge as-tu, ma chérie? Bref, nous sommes là pour le cinéma et pour le cinéma dans la joie aussi, dans le plaisir. Donc, on va être d'une sérieuxité. Et j'ouvre officiellement. Quatrième. Je suis un acteur qui a toujours eu le silence extrêmement éloquent. J'ouvre officiellement le quatrième festival, pas de cinquième en tribune, non. International de court-métrage breton. Non ? Oui. Vous êtes en France, si vous êtes en Bretagne. C'est le premier festival à Saint-Quay-Portrieux. Mmh. Et c'est 1 pour 3. C'est du Alexandre Dumas. Très bonne projection, merci beaucoup d'être venu. Va se dérouler plus. Ce soir, ce sera pour rire, il y aura des gens par terre, là, comme ça. Ouais. Bonne projection, et je sais qu'il y a des très bons films. Et bonne projection et puis que le meilleur gagne. Voilà, présent. Donc, je te donne la parole pour ton film. D'accord, merci pour la parole. C'est le film Que la mort vous sépare. Avec le chien et les tueurs à gages homosexuels. Voilà. Je ne pas voulu faire un drame, mais on peut rater. Alors, que vous dire sur ce film? Moi, c'est mon film d'école, parce que je suis encore à l'école. Donc là, c'était mon film de fin de première année d'études, qu'on a fait avec d'autres étudiants qui réalisent. Donc, on a travaillé. J'ai travaillé avec un scénariste où cette histoire m'est sortie de la tête. Et on a travaillé dessus, et ensuite on l'a réalisé dans un gîte avec une petite équipe où c'était très convivial pendant 3-4 jours, où il n'y avait pas forcément d'autre but avec ce film que de faire rire et de passer un bon moment. J'espère que ça a été, le cas, que ça vous a au moins fait sourire, parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres buts. Donc voilà. Quelle école? L'école de la Cité, à Saint-Denis. Je ne sais pas s'il y a des questions. Tu veux que je passe le micro? Bonjour, donc là c'est l'équipe de Au fond du trou. Nous on a écrit ce film parce qu'on s'était rencontrés sur un festival, puisqu'on est tous les deux réalisateurs. Et on s'était vraiment bien, on avait bien rigolé sur ce festival, et puis on s'est dit, tiens, si on écrivait un film ensemble, et comme on a pas mal de points communs sur nos goûts cinématographiques, on s'est dit, tiens, si on écrivait un film vraiment axé sur les dialogues, plutôt... Bravo. Merci. Merci au festival de nous avoir sélectionnés, c'est toujours un plaisir d'être sélectionné. Ce petit festival, nous on passe un très bon moment. On reviendra les gens. Merci pour la chute. A bientôt. Bonjour. Je voulais m'excuser parce que la copie du choix des armes qui a été diffusée, visiblement, il manquait un plan qui est passé à la trappe lors du DCP et qui a été remplacé par une belle mire. Donc je vous prie de m'en excuser d'une part. C'était pas prévu. Et d'autre part, les deux comédiens qui jouent dans le film devaient venir. Il y en a qui arrivera ce soir vers 21h30, et l'autre non.
Voilà Paul. Alors Paul, dis donc. Tu dis bonjour Loulou. Non, Polo. C'est avec des voitures plein de cascades. Ah bah. Des voitures, des motos. Ah, mais je fais la barre. Tu vois pas, Paul, tu regardes monsieur. Ça va, t'es content? Il y a du soleil. On termine en beauté. En tout cas, merci beaucoup pour ce premier festival à Saint-Quay-Portillon, prestigieux du jury. Donc merci de votre présence. Merci beaucoup, merci Monsieur Julien, merci à tous. La direction du cinéma Arletty, Karine qui était là tout à l'heure, que je salue, qui est là-bas. Merci Karine. Maintenant c'est le temps de la remise des prix et je pense que je vais passer la parole à votre secrétaire préféré, Laurent. Laurent Bauchet ou Laurent Bourigny, selon sa biographie. Et surtout, je pense que c'est le bon départ pour une collaboration qui va durer de nombreuses années. En tout cas, je suis vraiment ravi de la décision qu'on a prise ensemble de vous accueillir ici pour ce Festival Paul Simon à Saint-Quay-Portillon. C'est vrai que, comme disait Monsieur le maire, on s'est rencontrés, on a tout de suite compris de travailler ensemble. C'est un homme de culture, je suis un passionné de cinéma, donc voilà, la rencontre s'est faite. Et puis, il faut remercier tout le monde de la brasserie, de l'abondance de l'eau, qui est spécialement de l'eau. Comme je disais, financier, technique, il faut tous les remercier. Je viens remercier au groupe Mercedes-Benz, à mon assemblée. Ici en Normandie, qui est taxi et tout à fait des allers-retours. Merci à toi. On va faire tout ensemble, on peut tous les remercier, Arcom qui a fait le conseil, le casino de Saint-Quay, voilà, Jean-Michel est là,
merci à toi, et comme président du jury, déjà. Qui est en CDD parce qu'il y a le président d'honneur du festival Avic et lui est en CDD. Et en ce moment, CDD, CDI, c'est pas très... Voilà, Max Morel. Monsieur le Président, c'est à vous. Nous avons eu un plaisir de discuter très élégamment hier soir, c'est un peu tard. Le prix de la meilleure musique. Alors, la meilleure musique, le trophée est donc associé à la DHO et AFEA. C'est en acier, donc en acier trempé, ça a été fait, voilà, avec carreau plaqué, ça a été fait par notre partenaire, donc Arcom et Monsieur Buant. Le prix de la créativité, prix du jury, nous l'avons attribué à De Margarette, de Géraldine Marie. Ah, c'est bon, c'est de l'acier, Gaddor. Merci beaucoup à tous. Le prix de la meilleure réalisation. Alors, la meilleure réalisation est associée à Mercedes-Benz. Et donc, c'est le goût des choux de Bruxelles. Merci. Merci au jury, merci au festival. C'est mon deuxième film. C'est la première sélection de ce film que je viens de finir. Donc forcément, première sélection à un prix, c'est chouette, c'est plaisir. Merci. Voilà. Le meilleur scénario. Alors le meilleur scénario, dont je vais représenter, c'est à Bordeaux, c'est le prix du CND de trading de Bordeaux. Et nous l'avons attribué à la méthode de Greenberry, Baptiste Bertrand. Le meilleur montage, c'est associé à la brasserie de l'abondance. Le meilleur montage a été attribué à Première, qui est... Merci, c'est la deuxième fois que je viens à ce magnifique festival, deuxième fois que je repars avec un prix. Je vais être fidèle. Je vais donner la parole à mon autre président qui va donner le prix du... Oui, pour le prix du meilleur acteur, j'ai pensé, parce que ça a été un... Qui dit meilleur acteur dit aussi meilleure actrice. Nous en avons deux. Alors, oui, il y a deux ex aequo, donc on n'avait plus le nom pour écrire, enfin, etc. etc. Ouais. Donc tu vas les citer, on t'aidera après. Et représenter, donc la meilleure actrice est associée au casino de Saint-Quay-Portillon. Mais c'est très bien. Voilà. Donc, nous pouvons citer donc Edith Proust dans la méthode Greenberry. Et une aussi grande actrice qui s'appelle Aurélia Trébessec dans Où t'étais. Je ne suis pas l'actrice, hein. Je suis le producteur du film. Écoutez, je suis très content pour Aurélia. Ce film tourne dans les festivals, on est à peu près à 25 ou 30 sélections. 10 prix, dont 3 prix de la meilleure actrice. Donc c'est son troisième prix de la meilleure actrice. Merci pour elle. C'est la meilleure photographie. La meilleure photographie, donc c'est associé à l'hôtel Saint-Quay-Portillon. Ausstiegrecht. C'est le film allemand. Voilà. Donc, je vais les représenter. Donc c'est pas en Allemagne que mal. Nous allons terminer par le meilleur film court prix Paul Simon. Yes, sir. Nous l'avons attribué à Jazz Club de Paul Gay. Merci, merci vraiment beaucoup. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Merci beaucoup. Attribué à un nouveau prix, c'est le prix du meilleur élève. C'est-à-dire que quand il s'inscrit, c'est clair, net, précis. Voilà, donc on a dit c'est au bon moment, donc c'est au bon endroit, à Nicolas Merle. Comme ça.
ça, ça va motiver les prochains pour que les dossiers soient complets en leur temps. Merci beaucoup. Donc, ben, j'ai envoyé tout ce qu'il fallait au bon moment, au bon endroit. Du coup, voilà, merci Sophie Portieu, merci à tous d'être venus. Merci au jury, merci au maire, merci à tous mes potes réalisateurs. A mis un prix du spécial du partenariat 2016. Il a fallu faire prendre une décision, je l'ai prise. Donc, je vais dire à Julien de Mercedes de venir récupérer son trophée. Salut, merci à eux. Merci à eux. Prix spécial partenaire, donc Arcom, puisque c'est lui qui a fait voilà, les trophées, et puis signé par tout le jury. Juste une seconde, les trois étoiles, c'est le film qui est le star du festival. Black Star, c'est une référence à David Bowie, qui était aussi un acteur et que j'avais aimé dans Elephant Man à Broadway. Voilà, qui est un grand acteur aussi, après un chanteur. Donc voilà, merci à eux, merci à tout le monde. Moi je pose. Je t'ai gâché le plan. Fais un bisou. Alors là, elle est belle celle-là. Le dos dans le nez. Regarde Paul. Oh bah regarde mon bas. Voilà, ça c'est fait. Ah, et, allez, hop, oh, c'est bon, je vais la garder. T'as mis ton poisson. Attends, merde, il y a une autre, elle est floue celle-là. Voilà, c'est gentil. T'as compris? T'as entendu? Tu sais, mais papa, t'es nul. Tu regardes les dessins animés, tout ça, les films. Bah, le monsieur, souvent, il est dans les films. J'adore un stagiaire. Ah, ça sent tellement. Oui. Si j'allais dire. Ta gueule. Je vais manger sur le sable. Et je vais même manger un croque monsieur. C'est juste un sandwich. Non, non. Moi aussi, on va manger un sandwich avec du quoi? Il va manger un stagiaire. Non, faut pas manger le sable. Ça se mange pas, hein. Non, pas le sable. Non, parce que moi, je mange pas le sable. Ah, c'était juste avant le grand bruit. Un peu face boum. J'ai eu un peu de casse. J'ai pas de prix, mais j'embarque une plante. Mon coiffeur m'a raté. Et pour l'entretien de votre maison. Oh, là, ça rigole pas. C'est madame le meilleur. C'est pas ça, sérieux. Là, c'est du respectable. Attends. C'est respectable. Là. Mais avec un arcane. Attends. Il a pas aimé mon fighting. Ah bon, j'ai fait le tour. Thank you.
Et je suis super heureux en fait, j'ai eu deux prix au Festival Paul Simon 2016. Et la musique et le meilleur film, je suis super ravi. Voilà. C'est quelque chose d'extraordinaire avoir des prix quand on est jeune, qu'on veut essayer de faire du cinéma. Parce que c'est tellement des moments de. C'est un mélange de moments de joie et de doute. Donc ça permet d'être plutôt du côté de la joie. Donc ça motive, c'est super encourageant. Et merci au jury donc, du Festival Paul Simon 2016. Merci, merci beaucoup. Alors je suis Simon et ça c'est Paul, on est les enfants du festival Paul Simon à Saint-Quay-Partrieux. C'est quoi ça? La cassette de la voiture. Ouais. Mais voulait. Bah quoi? La folle. Ah, c'est mieux. Ouais. Mais voulait. Hein? Ouais. Voulait. Voulait. De quoi? Voulait. 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 Voulait.